Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyans Urban. Si vous n'êtes pas abonné à cette vidéo, vous abonnez, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, ça fait jour pour jour, on peut dire que ça fait 7 jours ou même 8 jours, où nous avons perdu un artiste célèbre du pays. Et comme on vous l'a dit, son problème là, son cas là, vraiment, a été l'un des cas les plus terribles qu'on a pu voir, que moi j'ai pu voir dans ce pays là. Franchement, on apprend des choses chaque jour, même à l'heure où je souhaitais de parler, de vous parler là. C'est des personnes qui disent qu'il n'est pas mort, c'est un coup monté. Mais à ce moment, ils cherchent encore des preuves. Peut-être que les vidéos qui vont venir vont nous permettre de comprendre certaines choses. Abonnez-vous et activez la cloche. Quelqu'un qui a souvent laissé la page d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne aussi. Et activez la cloche là-bas aussi, c'est très important, on ne le sait jamais. Et moi, j'ai un conseil à vous donner par rapport à cette situation. Mes frères et sœurs, parfois l'homme se néglige trop. Parfois l'homme se sous-estime beaucoup. Et les gens sont découragés d'eux-mêmes. Vous savez que quand vous n'avez rien, quand vous êtes une personne qui n'a même pas de travail et que vous êtes même insulté, marginalisé, mes frères et sœurs, quand vous êtes dans cette situation-là, je vous assure, vous pensez que ceux qui ont l'argent sont mieux que vous. Si c'est faux, vous me dites. Si c'est faux, vous me dites. Si c'est faux, vous me dites. Ha! Dites-le moi, mes frères et sœurs. Dites-le moi. Quand vous n'avez même rien dans votre compte bancaire. Et là, on parle de créer un compte bancaire. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle un compte bancaire parce que ça n'existe pas. Quand vous êtes dans cette situation, et même pour manger, c'est difficile, vous vous dites, ah vraiment, les gens sont mieux que moi. Et c'est dans cette période-là, où vous commencez à vous rabaisser, que beaucoup de choses se produisent. Mais nous allons en venir tout de suite. De l'autre côté, vous ignorez qui est réellement l'autre personne. Cette personne-là même qui va représenter celui-là même qui est l'homme riche. Vous voyez, les gens, ils sont riches. Vous les voyez, ils ont de l'argent. Et vous vous dites qu'ils sont mieux que vous. Juste parce que quand il y a des grands événements dans le pays ou bien dans votre famille, vous n'avez pas la possibilité de prendre des décisions. Ou vous êtes mis à l'écart. Ou dans la société, on ne vous considère pas. Et vous vous dites, ah, cette personne-là, je vous le prie. Non seulement vous dites, ah, cette personne-là, vraiment, elle est mieux que moi. Ou bien, au pire, elle a dit, j'aimerais être comme elle. J'aimerais être comme elle. Et qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ou bien, mon Dieu m'a maudit ou quoi? Ou bien, qui m'a maudit? Est-ce que c'est le même déféqué à l'église là-bas? J'ai même fait quoi à qui? Les gens se plaignent. Il se plaint. Oh, il a même fait quoi à qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a touché dans ma vie? Qu'est-ce que mes parents ont fait? Mais de quoi même je suis? Pour que c'est moi tous les malheurs frappent. C'est moi tous les jours les malheurs frappent, quoi. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a? Oh, ce que vous ignorez là, c'est qu'il y a même certaines personnes qui sont riches, qui ont de l'argent. Elles, quand elles arrivent et qu'elles voient tout ce qu'elles ont, elles sont là, elles regardent les richesses et elles disent, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine de faire ce que j'ai fait
j'ai fait pour avoir tout ça? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Selon vous, pourquoi partir ainsi? Mais pourquoi partir ainsi? Pourquoi ces personnes partent ainsi? Dites-le moi. Pourquoi partent-elles ainsi selon vous? Pourquoi partent-elles ainsi? Oh, vous allez les voir devant vous, jovial, même prendre de l'argent, jeter de l'argent sur les gens. Oh, laisse-moi tranquille, c'est à moi, le bouc entier. Ouh, laisse-moi. Jeter de l'argent ici, jeter de l'argent là-bas, jeter de l'argent par-ci, jeter de l'argent par-ici. Mais dans leur cœur, dans leur maison, quand ces gens-là sont seuls, ils se posent tous la même question. Est-ce que c'était nécessaire même que je fasse ce que même j'ai même fait pour être là? Et vous, quand vous les regardez, vous dites, ah, j'aimerais être comme ces personnes. Elles aussi, quand elles vous regardent, elles disent, ah, moi franchement, si j'avais su, si seulement j'avais su, ah, je n'aurais pas signé. Signé quoi? Le pacte avec le diable. Je n'aurais pas vendu mon âme. Je n'aurais pas donné mon âme au diable pour avoir tout ce que j'ai, pour devenir tout ce que je suis devenu aujourd'hui. Si seulement si je pouvais juste retrouver ma vie d'avant, ce serait mieux. Je désirais même rester même sans argent si c'est possible. Même si c'est possible. Parce qu'il ne supporte plus. Les conditions sont dures. Parfois, vous n'imaginez pas les choses que les gens ont dû faire juste pour être célèbres. Vous ne savez pas ce qui est caché derrière la célébrité. Cette histoire de superstar. Vous ne pouvez pas savoir. Vous, tout ce que vous pouvez voir, ce sont les belles voitures comme ça. Vous pouvez voir les belles maisons, les maisons en construction. Vous pouvez même les voir peut-être bien habillées. Vous pouvez même les voir peut-être bien parfumées. Et vous allez vous dire, ah, mais Dieu m'a maudit, pourquoi je ne sais pas pourquoi ça ne va pas chez moi? Vous êtes là, vous vous plaignez matin, midi, soir. Mon frère, je vais te dire, ils ne sont pas mieux que toi. Ils ne sont pas mieux que toi. Les gens que tu vois riches, qui sont autour de vous, les mettre dans les grosses voitures, les voitures grosses cylindrées, les jeeps. Je vais te dire, ils ne sont pas mieux que toi. Accroche-toi à Jésus, accroche-toi à Dieu aujourd'hui, là où je suis de te parler. Cherche Dieu. Une fois que tu l'as trouvé, demande-lui de t'aider à trouver le chemin de ta réussite. Parce que toi, ta réussite là, ton succès là, ça se trouve sur un seul chemin. Or, il y a 1000 chemins. Mais toi, ton succès se trouve sur un seul chemin. Si tu n'as pas trouvé ce chemin là, je t'assure, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond comme ça. Tu vas tourner en rond. Seul le Seigneur de Christ peut te révéler par exemple en songe le chemin. Seul le Seigneur de Christ peut t'aider à trouver le chemin. Peut-être que cette rencontre que tu vas faire avec Dieu en acceptant même le Seigneur de Christ dans ta vie maintenant, ce sera même la chose qui va bouleverser ta vie et qui va transformer ta vie. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, la situation qu'a traversé cette star, c'est une situation difficile. C'est une situation pénible. Les gens en parlent. Les gens disent que cette personne avait besoin d'amour parce qu'elle n'a pas, de son enfance, vécu comme peut-être vous, une vie heureuse, des gens autour qui vous aiment. On dit que quelque chose lui manquait. Certains disent qu'il était même dans la dépression. Les gens ont fait tant de révélations comme ça. Mais quel est le problème? Et c'est pas lui seul. Il y a plein d'autres artistes qui nous ont aussi révélé des trucs. Que eux aussi, c'était dans la dépression. Par exemple, je vais même toujours prendre
l'exemple de James, parce qu'elle-même, elle s'est confessée ouvertement et elle nous a donné les secrets. Elle nous a dit qu'elle, elle est montée au sommet de la montagne. C'est-à-dire, elle a eu la gloire rapidement. C'est-à-dire, ça lui est tombé dessus. Elle-même se posait la question à un moment donné, mais ah, pourquoi toutes ces gloires tout à coup? Pourquoi toutes ces célébrités tout à coup? Pourquoi tout ça tout à coup? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Mais après, quand elle arrive dans sa maison, c'est pas la joie du tout. C'est pas du tout la joie. Elle est obligée de prendre des trucs pour pouvoir trouver le sommeil. Elle est obligée de faire des choses pour pouvoir se sentir bien. Mes frères et sœurs, vous pouvez être peut-être impressionné par l'amour que reçoivent les stars ou les superstars. Mais vous ne savez pas d'où leur vient leur richesse, d'où leur vient leur célébrité. Quelles sont les choses qu'il faut faire pour être si célèbre, pour être le numéro un, pour qu'on parle de nous en tout temps et en tout lieu. Pourquoi on parle de vous en tout temps et en tout lieu, en toute période, mes frères et sœurs, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, à ce niveau. Mais le diable, il peut vous utiliser. Mais avant de vous utiliser, il va vous dire, venez, nous allons faire des trucs. Tu vas faire un pacte. Un pacte, c'est une alliance. C'est comme un contrat. Un contrat que tu signes. Apparemment, ça a l'air simple. Ça ne ressemble à rien. Mes frères et sœurs, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble même à rien. Quand tu vois ça, tu te dis, oh, c'est pour ça que vous m'avez emmerdé ici. Oh, faisons le truc, moi, je veux juste devenir riche. Parce que les gens ont vécu la pauvreté jusqu'à, ils ont vécu les difficultés, jusqu'à dès qu'ils ont eu l'opportunité. Oh, laissez-moi tranquille. Tu vois pas les belles voitures? Moi, je veux montrer aux gens que moi, je veux avoir les belles voitures. Moi, je veux montrer aux gens que moi, je peux devenir célèbre, connu. Et je veux même que des milliers de personnes, un monde fou, soient autour de moi. Ah! Si toi, tes désirs sont ça, tu vas rencontrer le diable. J'ai dit, tue-toi. Toi, tes désirs correspondent à ce que je suis même en train de te dire. Tu vas rencontrer le diable. Parce que lui-même, il est même chaud même à te donner ça. Je vais vous dire. Une femme qui est dans le milieu qui nous a expliqué certaines choses. Elle a dit que si votre but ultime est de devenir célèbre, vous allez devoir faire de grands sacrifices pour l'atteindre. Comme signer un pacte avec votre sang, vous signez votre nom, c'est-à-dire un pacte avec votre sang. C'est ce qu'on appelle le pacte avec le diable. Pourquoi ton sang? Parce que c'est ton âme. Ton sang, là, c'est dans ton sang que se trouve ton âme, en fait. Voilà. Donc, tu vas signer un pacte avec ton sang. Et quand tu vas commencer à signer, quand tu vas signer le pacte avec même ton sang, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre toute valeur morale. Hey! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu étais un bon gars, tu auras deux visages. Tu vas insulter les gens le matin. Tu vas faire les crashs. Tu vas même combattre tes amis ou tes collègues. Et après, tu vas venir dire que, oh Dieu, c'est Dieu, mon Dieu avec moi. Genre, tu fais les bêtises. Même tu chantes pour le sexe. Tu chantes pour le sexe. Et le matin, tu viens, tu dis, oh, moi c'est Dieu qui me donne mon pouvoir. Oh, moi c'est Dieu qui me donne mon succès. Oh, moi c'est Dieu. Mais dans ton cœur, tu sais ce que tu as fait. Tu sais sur quoi tu comptes. En fait, quand tu dis Dieu, tu ne dis pas le vrai Dieu. Tu parles de Satan, quoi. Mais c'est Satan qui est ton Dieu en réalité. Parce que c'est de lui que tu parles. Mais les gens ignorent que c'est de Satan que je t'ai parlé. Quand tu dis Dieu, mais toi tu le sais.
Les frères et sœurs, le monde fait peur. Le monde fait peur. Le monde qui a tenté de frapper même les gens actuellement là, c'est le monde de l'industrie de la musique. Dans l'industrie de la musique, ils ont perdu un gars. Il n'y a pas très longtemps, ils ont perdu un autre gars. Il n'y a pas encore très longtemps, ils ont perdu encore un autre gars. Et ce gars qu'on vous a montré même dans les vidéos précédentes, ces vidéos même pourraient même apparaître même ici, vous allez les voir. Ces gens-là sont jeunes. Ils ne sont pas vieux, hein? Ils sont jeunes. Ils ne sont pas vieux, hein? J'ai dit, ils sont jeunes. 33 ans, c'est pas être un vieux. 30 ans, c'est pas être un vieux. Même si tu as 40 ans, ce n'est rien du tout. Même si tu dis que tu as 60 ans, ce n'est rien du tout. Ça, c'est quoi ça? Ça, ce n'est rien. Moi, j'ai vu de mes yeux un homme de 80 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20 années fois 20, plutôt 20 années fois 4. 20 multiplié par 4, ça fait 80, non? Ça veut dire que 20 ans, lui, il a vu ça 4 fois. Et il était en forme comme ça. Même souvent, même dans certaines émissions, concours qu'on vous montre sur Internet, là. Chez nous. Dans certains concours, on vous montre sur Internet. On vous montre des gens âgés qui viennent. Ils vous disent, moi j'ai 60 ans. Les gens crient, oh, ils sont jeunes. Moi j'ai 80 ans. Parce qu'ils sont jeunes. Et ils sont étonnés. Qu'est-ce que vous êtes en train de toucher les jeunes? Qu'est-ce que vous êtes en train de toucher? Qu'est-ce que vous êtes en train de dans votre tête? Le problème du diable aujourd'hui, c'est nous les jeunes. Nous les jeunes qui intéressons le diable. Le diable était de nous présenter le bling bling. Quand tu vois une personne que tu aimes, qui est super stable, qui est très connue, là tu veux ressembler à cette personne. Absolument. Et tu vois comment la personne est, comment elle s'habille, comment elle est comme ceci. Et toi aussi tu te dis, je donnerai tout pour devenir comme cette personne. Et c'est là même les gens vont dire, je serai même prêt à tout pour réussir. Même si c'est vendre mon âme au diable. Toi, tu dis, attends le diable. Je vais te dire, je vais te parler de quelque chose. Quand tu vends ton âme au diable, ce que le diable te donne là, c'est ce que toi tu devais avoir normalement. Mais ce ne serait pas vite, rapide. C'est dans les années qui vont suivre. C'est-à-dire que tu as amassé ton argent là, ta richesse là, petit à petit pour devenir grand. Si tu es intelligent, tu vas économiser, tu vas épargner. Et puis c'est plus tard, tu vas connaître ça devant dans ta vie. C'est derrière dans ta vie. Donc lui, il va venir jouer ton esprit. Puisque tu vas avoir ça rapidement, lui, il va t'aider. Mais il va prendre quelque chose en toi qui n'a pas de prix. Ce sera ton âme. Une fois qu'il a pris ton âme, là, écoute-moi bien. Une fois qu'il a pris ton âme, il va te donner maintenant toutes les richesses de ce monde. Maintenant, imagine, tu meurs par exemple à 33 ans. Tu es mort à 33 ans. Ta richesse, même ça t'a aidé combien de temps? Même si tu as signé ton pacte avec le diable à un an, comment tu as pu vivre avec ton argent? Même si tu as vécu 120 ans, on dit l'éternité, les gens meurent, l'âme ne meurt pas. Si les gens disparaissent physiquement, vous ne voyez pas, vous voyez leur corps, vous ne les voyez pas en vie. Mais spirituellement parlant, ces gens-là sont en vie. Quelque part pour passer le restant de leur vie. C'est comme toi, tu maries une femme, tu passes le restant de ta vie avec la femme. C'est ce que ces gens ont fait. Et ce restant de la vie là, c'est sans limite. On ne sait pas quand ça finit. Seul Dieu le sait. Mais quand on parle de Dieu, nous savons que Dieu est tellement grand, il est tellement fort que ces choses là sont trop grandes. C'est sans limite. Il faut éviter les histoires. Il faut éviter les histoires. Quand cet homme a eu un accident, nous tous ici on a pleuré. Pendant que nous étions en train de pleurer là, c'était une personne qui se disait, le gars là, il a laissé de l'argent quand même. Hein. Il a laissé des voitures, des luxe. Il a laissé des motos. Il a laissé des habits. Il a laissé des chaussures. Comment nous on va faire pour se servir? Comment nous on va faire pour se partager mes biens?
Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont commencé même à passer à ça. Il y a des gens qui ont commencé même à passer à ça. Même il y a un pasteur qui dit qu'il va venir prier pour que le gars se rébelle. Il a dit, ah mon gars, faut pas prier. Hein. Parce que si toi tu te rébelles, c'est pas bonne affaire pour nous. Qu'est-ce qu'il va pas, qu'est-ce qu'il y a? Les gens cherchent, ils aiment l'argent plus que l'homme. Les gens aiment l'argent plus que l'homme. Oh, les gens ne durent pas plus de 120 ans sur la terre en général. Faites attention. Les gens vont même se partager tous ces biens. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? L'argent, il s'est battu même avec ses collègues artistes juste pour pouvoir rester au sommet là. Ils vont venir prendre ça comme ça derrière lui et se partager ça. Il a travaillé, tu as fait son fond. Dieu sait où l'entrer pour avoir tout ce qu'il a eu. C'est là maintenant qu'ils vont se servir tout son argent. Ils vont tous, ils vont se servir de tout. Ils vont prendre tout, se partager entre eux, gaspiller en un rien de temps. Comme ils n'ont pas lutté, c'est pas à la suite de leur fond ils ont eu son argent. Ils vont se partager ça en un rien de temps. Ils vont finir ça. C'est pour eux-mêmes, ils vont bien gérer. Hein. Mais pour quelqu'un là, ils vont finir ça en un rien de temps. En un rien de temps, ça, de toute façon, tout finit sur la terre, tout passe. Ça va finir un jour. Or lui, il luttait, il se bagarre même avec tous ses camarades. Vous devez comprendre quelque chose dans cette affaire. On a dit tellement de leçons. Si toi tu es dans un milieu où vous devez vous battre pour manger là, tu vas faire confiance à Dieu. Dans tous les coins, dans tous les cas, vous devez forcément vous battre parce que sur la terre le diable est descendu et depuis qu'il est là, il cherche les âmes des gens. C'est à cause des âmes des gens, il y a le combat passé par là, surtout. Les gens voient l'argent, mais ce sont les âmes des gens que le diable recherche. Toi, dès que tu vois l'argent là, il ne faut pas être trop traumatisé, trop fou, trop. T'as dit, ah, j'ai vu, tes yeux vont s'ouvrir comme ça. Ah, ouh, il faut arrêter ça aujourd'hui. Ah, mon frère, faut arrêter ça aujourd'hui. Faut arrêter ça, sinon les gens qui te cherchent vont t'avoir, vont te donner des sommes d'argent que tu n'as jamais eues. Toi-même, tu vas te sentir, mettre même en confiance. Sur la terre ici, je te dis, un truc qui va t'aider. Ha! Ne jamais confiance à un homme. Ne crois jamais à un homme. Même si cette personne vient te donner des milliards et cette personne te dit elle t'aime, il faut juste l'écouter. Mais il faut mettre ton pied sur Dieu. Il faut le regarder. Il faut regarder la personne. Il faut la regarder. Aujourd'hui là, tous les artistes célèbres qui sont restés, je vous parle. Si vous n'avez pas signé un pacte quelconque avec le diable et vous êtes tout de suite devenu connu, c'est bien. Mais je vais vous dire que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Le diable va venir vous visiter. Il va vraiment venir vous visiter. Il va venir vous proposer des trucs. Ha! Le dessert de cette femme n'est pas vain. Parce qu'on apprend des choses ici aujourd'hui. Le diable va venir vous visiter. Et il va venir vous dire que lui, il peut vous donner plus que ce que vous avez. Il peut vous rendre plus célèbre. Or, vous avez besoin d'ouverture encore. Vous avez juste besoin de rentrer en contact avec plein d'autres artistes, peut-être célèbres comme vous. Vous les voyez à la télévision. Vous vous dites que si vous entrez dans les cercles, dans le groupe, vous allez vous faire des contacts. Et ces contacts-là, ce sont des artistes célèbres comme vous, que vous, par exemple, vous aimez tellement. Vous voulez être comme ces gens-là, parce que ces gens sont célèbres. Le diable va utiliser juste ces gens-là, parce que c'est ceux-là même qu'il a vu en vous que vous les aimez, afin de vous avoir, de vous amener à signer un pacte qui va bloquer votre âme à jamais quelque part. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous sauver. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous sauver dans cette situation. Mais après, si vous êtes entré dans ça et que vous cherchez Jésus, vous cherchez à vous tuer. Dès à présent, faites attention. Faites attention. Faut jamais être fan de quelqu'un. Si ce n'est de Dieu seul ou de Jésus-Christ seul, ne sois jamais fan de quelqu'un. Si ce ne soit de Dieu, ce n'est de Dieu seul et de Jésus seul. Parce que
Parce que je te dis, si tu es fan de quelqu'un, tu seras fan du diable un jour. Tu seras fan du diable un jour. Parce que le diable se cacherait les champs. Et le diable, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il est en train de recueillir toutes les personnes célèbres connues dans son camp pour manipuler la jeunesse, pour manipuler les femmes, pour manipuler le peuple, pour manipuler la génération. Laissons les âmes des gens qui sont en danger actuellement. C'est une question de vie ou de mort. Cette vidéo est bien réelle. Ce sont des trucs qui ont l'air d'être comme un jeu, mais ce sont des choses qui sont vraiment bien réelles. Tu peux penser que c'est de la blague que nous sommes levés ce matin, je suis en train de te parler comme ça, mais il faut regarder ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer avec ta superstar préférée. Cette personne-là, c'est qu'elle, elle est jeune comme ça, elle est trop jeune quand même. Comment peut-elle mourir? Par accident, juste comme ça. Les gens vont dire, oh, c'est accident. C'est normal. Donc, laissez la faire, on va l'enterrer à... Comment ils disent ça même? Ils disent, on va l'enterrer dignement. Mes frères et sœurs, s'il y a une possibilité, pourquoi on peut pour ces personnes encore, qu'elles reviennent à la vie, qu'elles ne soient ici? Parce qu'elles doivent vivre. Et elle a des choses à vous raconter pour sauver votre âme, pour sauver votre vie. Ah! Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu es sûr que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu es sûr que tu l'aimes vraiment? Les gens en ce moment même, peut-être sont en train de toucher ses voitures. Ces voitures que lui seul, il pouvait toucher. Peut-être même que dans sa maison, les gens sont en train de faire n'importe quoi. Sa maison qu'il a lutté pour avoir, il a lutté, il paye sa maison chaque temps. Les gens sont en train de se gaspiller tout ça. Peut-être qu'il est là même en train de regarder et dit, oh, qu'est-ce qu'il ne va pas laisser ma voiture? Laissez ma voiture tranquille! Laissez ma voiture tranquille! Mais elle est déjà partie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, cherche Jésus. Mon frère, faut chercher Jésus. À mon avis, faut chercher Jésus. 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 Quand on dit aux gens, faut chercher Jésus, les gens sont là. Là-bas, il est mort de chercher Jésus-Christ. Même lui-même, il vous parlait de Jésus-Christ. Lui-même, il vous parlait de ça. Lui-même, il vous parlait de ça. Tous les... Regardez les vidéos précédentes. Regardez les vidéos. La vidéo là apparaît ici. Doug Saga. Je vais dire son nom. Doug Saga. Vers sa fin, il est tombé malade. Il a dit que tous ces gars l'ont abandonné, sauf un seul qui est resté auprès de lui. Ça lui a apporté des sons. Il dit que vraiment, il s'est fait me rétablir, mais mes amis, être avec eux comme avant, c'est fini. Aujourd'hui, je suis devenu un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Les gars, cherchez Jésus-Christ. Ah, ouh. Il y a un autre qui s'appelait, on l'appelait Abobolet. Regardez la vidéo possible. Il dit, les frères, il dit, mes femmes, mettez Jésus dans votre cœur. Mettez Jésus-Christ dans votre cœur. Regardez cette vidéo à part d'ici. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous attirez la cause. Des choses vont venir. Il dit, cette femme, il dit, mettez Jésus dans votre cœur. Et ce dernier-là, lui-même qui est parti, là, il disait à ses fans, la personne qui est au-dessus de moi, c'est Dieu. Seul Dieu peut décider quand je vais mourir. Et cette personne parlait toujours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont célèbres, ils ont compris que sur cette terre-là, il y a des conneries. Il y a des trucs, il y a trop de trucs bizarres, et nous avons besoin de nous approcher à Dieu. C'est le moment. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous dire, peut-être que vous savez qu'il y a la sorcellerie. Peut-être que vous savez déjà qu'il y a la magie qui existe. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a la magie rouge. Il y a la magie blanche. Il y a la magie verte. Il y a la magie de l'air. Il y a toutes sortes de trucs bizarres. Et il y a Jésus-Christ de Nazareth. Le nom Jésus-Christ, c'est une puissance qui se déploie dans la vie de celui qui prononce avec vie et de tout son cœur.
C'est aussi une protection. C'est la protection par excellence. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le maître de tous les esprits. Si vous pensez que c'est de la blague. Si vous pensez que c'est de la blague. Renseignez-vous bien. Et testez. 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 Que ce qui vient de se passer là ne passe pas. Sans que ça t'ait ouvert les yeux. Tu as vu comment c'est là lutter pour rester en tête. Peut-être toi si tu luttes pour rester en tête, c'est normal. Tu as envie d'être en bas. Nous tous on veut être à la tête. Tu as vu aussi comment c'est là. A eu plein d'amis et en même temps qui sont devenus ses ennemis à un moment donné. Tu as vu en même temps comment c'est ça là. Elle qui était bien avant, ses portes étaient ouvertes. Comment les gens ont fermé ses portes à la fin. Nous tous on a vu ça ici. Si toi tu dis que tu n'as pas vu, on l'a dit que tu es un sorcier aujourd'hui, tu es un sorcier demain. Nous tous on dit qu'on a vu ça. Du moins ceux qui connaissent bien la star, on parle ici à ses fans, à ces gens qui sont autour de lui. Parce que cette affaire ne va pas s'arrêter jusqu'à là. Un truc où un pasteur va se lever pour venir dire que Dieu demande à ce qu'on ressuscite le gars, vous pensez que ça va s'arrêter jusqu'à là? Moi je pense que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à là. Des choses vont sortir. Des choses vont sortir. Déjà, les gens ont commencé à avoir des songes. Les gens ne dorment pas. Juste à cause de ce qui a été passé. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Si c'est vraiment vrai que le gars est mort. Et que tout ce qui a été passé là. Il y a quelque chose derrière. Des choses vont sortir. Abonnez-vous, activez la cloche. Et ne manquez pas les prochaines vidéos. Sans doute, vous verrez des choses, de nouvelles choses. Restez connectés. Ne manquez pas de vous abonner également sur notre chaîne. Cliquez sur la ça pas d'accord. Abonnez-vous sur notre troisième chaîne. Et surtout, faites attention à l'argent. Travaillez dur. Travaillez dur. Même si on vous promet de vous rendre célèbre, grand, comme ceci et comme cela, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, contentez-vous de ce que vous avez et avancez avec. Petit à petit, vous deviendrez grand.